Bonjour. Merci d'être là avec nous. D'autant que j'ai lu qu'à la même heure, vous auriez pu être à Paris en train de dédicacer le dictionnaire les papous dans la tête. Et pourquoi je mentionne ça? Tout simplement pour vous situer le personnage, Serge Joncourt, dans la veine de son écriture. Que je trouve très ludique, très poétique, et dans laquelle on se laisse embarquer, comme on va se laisser embarquer dans ce livre, L'écrivain national, dont on va vous parler. Merci. Voilà. Bravo aussi à vous pour le prix que vous avez reçu pour ce livre, le prix des deux magots. C'est un juste retour des choses, je pense. Je ne dirais pas le contraire. Je suis pas le mieux placé, ouais. Je suis pas le plus... objectifs. Hein. Mais enfin bon, en même temps, comme j'ai eu la chance de concourir, c'est malgré soi, à des prix littéraires d'automne, ce qu'on appelle, et d'être finaliste de quelques-uns, donc, et de revenir à chaque fois à bredouille, parce que bon, un prix finalement, on ne demande pas à l'avoir, enfin je veux dire, ça tombe un peu dessus comme ça, et finalement, on se met à y croire quand on est sur la liste, quand on est finaliste. Puis il n'y en a plus que trois, on dit tiens, bah, pourquoi pas, une chance sur trois finalement. Et puis hop, non. Donc c'est un peu. Oui, c'est un peu blessant à fort. Mm-hmm. Oui. Alors que quand on n'est pas sur la liste, finalement, on dit bon, bah, on n'est même pas concerné. Que là, à chaque fois, c'est comme si on vous refusait. Alors que bon. Donc le prix des deux magots, ben voilà, c'est un peu le dernier de. De la rentrée littéraire, on va dire 2014, parce que la rentrée littéraire, elle est en septembre, et puis il y en a une aussi en janvier maintenant. Enfin, bon, hein. Et c'est un des plus vieux, hein, puisqu'il est, il a plus de 80 ans, ce prix. Hein. Et alors, il est, en plus du prestige, on va dire, de là-bas, il y a une table ouverte, hein, une table ouverte au café des deux magots. Mm-hmm. Hein. Et alors j'ai demandé lors du déjeuner de remise à la patronne, puisque ça appartient à une femme, si c'était donc une table ouverte une fois par an, je vois. Alors c'était à la fin du déjeuner, elle était peut-être un peu bu. J'ai dit, non, c'est quand vous voulez. Ah bon. Je vais répéter tous les jours. Oui, si vous voulez. Bon, j'y suis pas encore allé. Hein. D'accord. Mais bon, ça donne envie de retourner sur Paris quand même. En même temps, je ne sais pas si on y mange bien, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est un peu symbolique. En plus, c'est au cœur du quartier latin. Et puis symboliquement, c'est Raymond Queneau qui a eu le premier ce prix. Donc je trouve que c'est fort que vous l'ayez aussi, enfin. Queneau, oui, enfin, Queneau. Il y a une filiation. Enfin, oui, il y a une filiation entre vous et. Oui, ça c'est plutôt amusant. Oui, 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 puisque c'est un des fondateurs d'Oulipo, hein, donc dans lequel je pense que vous reconnaissez un peu, non? Disons qu'en périphérie, enfin, je veux dire, je participe à une émission sur France Culture où il y a beaucoup de, il y a des gens d'Oulipo qui font comme nous, où on fait comme eux. Enfin non, ils font, enfin bref. C'est des papous dans la tête, hein, l'émission. Des papous dans la tête, on fait des jeux. Des jeux littéraires, moi je dirais presque des sketchs littéraires. Moi, quand je fais une émission avec des gens de l'Oulipo, il y a une contrainte pour l'Oulipo, et leur contrainte est de respecter les contraintes. Et moi, je me fixe une de plus et d'en sortir, donc du coup, c'est pas orthodoxe. Mais ça les fait rire quand même. Donc je suis pas un vrai oulipien, loin de là. Voilà. J'en ai pas les compétences, ni la discipline. Ouais. Mais enfin, on s'amuse bien quand même. Et l'émission est dimanche, hein? Oui, le dimanche à midi. Midi, oui. 13h, hein, France Culture. Voilà, oui. Parce qu'on l'a enregistré, avant-hier. Hein. Donc, ça sera diffusé. Oui. Et donc, là, on avait fait des pamphlets. C'est un truc que j'aime bien faire. On fait des pamphlets. J'avais fait un pamphlet contre les gens qui fument dehors, par exemple. Parce que, c'est vrai que maintenant, les gens n'osent plus fumer chez eux. Ils n'ont plus le droit de fumer au café. Ils fument dehors, mais il y en a marre. Enfin, bon, donc, ouais. Non, mais bon, je m'en fous. Mais disons que, je vais faire 20 minutes là-dessus. Et finalement, quand on cherche un peu, c'est pour ça que l'écriture, c'est un peu... Enfin, ça m'a toujours amusé. Parce que finalement, on arrive à... C'est vrai, ben, venez au premier rang, il y a des sièges. Non, mais ça, il y a un truc.
quand il y a des sièges, enfin encore là, mais il y a deux. Il y a deux chaises. Oui. Non, le micro, il n'est pas. Non, c'est pour enregistrer. Il n'est pas sonorisé. Ouais. Approchez-vous, n'hésitez pas. Non, mais sinon, vous l'écouterez à la radio demain. Un petit comité, hein, venez. Oui, ça c'est le truc. Ça c'est alors. Encore, bon, là, c'est pas flagrant. Mais alors, j'étais où? Je sais plus quand. Enfin, bref. Et toutes les chaises du premier rang. Ah oui, c'était dans le Jura. En plus, il faisait froid, il y avait de la neige partout, on était bloqués. Et ils se mettent tous. C'est rapproché, vous. Et par contre, hier, j'étais à. Hier, vous étiez. Oui, enfin non, franchement, j'étais. Mais, mais les pamphlets, c'est un exercice intéressant parce que finalement, en écrivant ce pamphlet contre les gens qui fument dehors, j'ai découvert que j'étais contre les gens qui fument dehors. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes chez vous, vous êtes à la fenêtre, vous voyez des gens de l'immeuble en face qui sont à leur balcon en train de fumer leur cigarette. Enfin bon, mince, c'est l'espace public. Moi, j'aime bien être tranquille à regarder ma fenêtre. J'ai pas envie qu'on regarde ma fenêtre pendant que. Alors, non, mais je dis, parce qu'il y en a un. Chez moi. Serait oui, non, mais comment. Alors qu'on n'a pas interdit aux gens de fumer chez eux. Ou alors les Français sont très disciplinés, hein. Mais depuis l'interdiction, 2002, je ne sais plus combien, hein, tout le monde fume à sa fenêtre. C'est-à-dire que quand vous allez manger, c'est des gens comme ça. Moi, je mange lentement, c'est un parti pris. Hein, et je ne fume pas. Alors bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je mange tranquillement, puis je réalise, tiens, il n'y a plus personne. Ils sont tous en train de prendre froid à la fenêtre. Au restaurant, c'est encore pire. C'est-à-dire que du coup, alors moi qui essaie de me resocialiser un peu en permanence, je paf. Donc la solution, ça serait de se mettre à fumer, mais bon. Ben évidemment, c'est pour ça que moi, du coup, j'écris parce que ça va, ça renvoie à la solitude. Mais, à chaque fois, et donc ces exercices un peu. Ludique, on va dire, mine de rien, soulève des J'en ai fait un avant contre les bébés qui prennent le train. Et en fait, j'avais écrit en revenant de Biarritz, dans un train où, c'était après les vacances il y avait plein de monde, enfin, il y avait plein d'enfants qui. Alors bon. Et donc, je devais écrire un texte, je dis, tiens, bah, alors ça tombe bien, parce que je vais écrire contre les bébés qui prennent le train. Ça a été diffusé, on a reçu un courrier à France Culture, mais quelle honte. Oui, parce que je disais, quand on est un bébé, on ne voyage pas, enfin bon. Un bébé, c'est pas fait pour voyager, ça n'a peut-être même pas envie en plus. Et ça enquiquine tout le monde, enfin bon. Et alors, on a enregistré celui d'avant-hier, avant-hier, bon, qui sera diffusé dimanche ou l'autre. Bon. Et là, j'ai un pamphlet contre les gens qui sont contre. Donc, alors, bon, quand je fais ça, je suis dans la contrainte de faire un pamphlet. Hein, bon, voilà. Et en même temps, j'en fais un peu un sketch qui, donc, du coup, ça nous fait rire. Enfin, bon, voilà, le rire n'est pas interdit. Et puis, bon, Queneau, c'était quelqu'un de. Enfin, moi, il me semble avoir, quand j'étais môme, ou les exercices de style. Mm-hmm. Ouais. Les assis dans le métro, c'est marrant. Enfin, c'est. C'est trop drôle, hein, pour moi, hein, il me semble. Bon. Alors, votre question était. Il n'y avait pas de question, c'est-à-dire que je présentais ce que vous aviez fait, dictionnaire, donc des papous dans la tête. Hein. Ah, bah oui, auquel vous avez contribué. Voilà. Voilà. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'écrivain national, donc, qui est sorti donc, pour la rentrée en septembre 2014. Il y a plein d'autres titres qui sont fabuleux, mais celui-ci nous intéresse à plus d'un titre dans le cadre de notre festival, puisqu'il parle à la fois du statut de l'écrivain, du monde.
autour du livre, alors les libraires, des résidences d'auteurs, n'est-ce pas Cathy, du monde des bibliothèques, et puis dans le cadre de notre festival également, de la passion amoureuse et de tout ce que ça va entraîner dans ce livre. Un livre qui est complètement bluffant, dans lequel vous nous manipulez bien, je trouve, et dans lequel j'espère que vous ferez tous manipuler à la lecture de l'écrivain national. On fait un petit résumé, je vous laisse faire un petit résumé de la trame. Oh ben c'est un écrivain qui va en résidence, comme ça se fait, c'est-à-dire qu'on est invité, enfin bon, par une, ça dépend, une commune en général, bon, voilà, et on reste 3 semaines, 15 jours, ou moins, il y en a qui restent 6 mois, hein, pour écrire. Hein, bon, voilà. Alors, là où ça devient particulier, c'est quand c'est une... Moi, j'ai choisi une commune du Morvan, donc, à peine 2000 habitants, donc c'est... les gens se connaissent, c'est pas comme... Si vous venez en résidence à Strasbourg, il n'y aura pas le même dérèglement que si vous allez dans un bourg de 2000 habitants, parce que là, pour le coup, vous allez être un peu sous les feux des projecteurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que... Parce qu'il y a ceux qui sont d'accord... Puis ceux qui trouvent ça un peu... On n'a pas besoin d'un écrivain. Enfin, moi, je voulais un peu écrire aussi là-dessus, sur le fait qu'il y a des tas de gens qui en ont rien à faire de la littérature, des écrivains en particulier, et qui sont presque... Il y a une animosité, quoi. Bon. Et je voulais aussi mettre... Alors donc, il arrive là, dans ce petit village, et il y a un fait divers à 15 kilomètres de là. Un maraîcher en retraite qui a disparu, il y a 2 jeunes qui sont suspectés. Alors, les faits divers, on s'y intéresse comme ça, parfois, quand c'est dans la presse. Mais quand le fait divers se passe à 10 km, ça, la proximité géographique fait qu'il y a comme une sorte de curiosité d'aller voir. Enfin, en même temps, moi, je voulais écrire sur un fait divers, hein, sur un auteur s'intéressant à un fait divers. Bon. Et effectivement, il n'est pas facile à résumer ce livre, parce que... Un livre, un roman gigogne un peu, hein, il y a des thèmes hein, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. Donc voilà, alors parfois il y a un parti pris de dire, tiens, c'est un roman, j'avais un papier dans un journal, c'était le Figaro, il y avait une page carrément, mais c'est un papier sur la condition de l'écrivain au XXIe siècle. Et on ne parlait pas de l'histoire d'amour. Mm-hmm. Bon, et puis et la même semaine, dans l'Obs, maintenant ça s'appelle, c'était l'amour toujours, c'est un roman d'amour, bon... En fait, je ne sais pas, enfin, il y a un parti pris en même temps. Quand on fait un papier sur un roman, il faut un peu essayer de le cerner, quoi. Et moi, je voulais faire un roman qui ait plusieurs propositions. Effectivement, il y a une sorte de portrait d'un auteur, comment ça se passe quand on est auteur et qu'on fait des rencontres, et qu'on va en librairie, et que c'est... Quel est le rapport de l'auteur aux autres, hein. C'est-à-dire que, bon, quand vous êtes... auteur et que vous restez un peu chez les gens, comme ça, il y a ceux qui ont envie de vous approcher parce qu'ils ont quelque chose à raconter, et puis il y a ceux qui ne veulent pas vous parler de peur que de se retrouver dans votre livre. Mmh. Ils ont raison, parce que moi je fais que ça, je recycle. Enfin, toutes les anecdotes et ce qui arrive à cet auteur, c'est finalement des vraies anecdotes, quoi. Alors bon, il y a ceux qui se sont reconnus ou pas, alors bon, ça m'a créé des problèmes. Avec certains maires qui tiennent... Parce que le maire, on me dit, ah, mais le maire, il est caricatural. Mais non, pas du tout. Le maire, il fait un discours pour recevoir un écrivain. Il n'en a jamais entendu parler de cet écrivain. Donc, bon, en même temps, il essaie de le faire mousser un peu. Alors bon, mais comme cet écrivain n'a toujours pas eu le prix de Goncourt ou je ne sais pas quoi, donc il a cette trouvaille de... C'est un écrivain national. Oui. Et... Moi, ça m'est arrivé, dans ce contexte-là, qu'on me présente, comme on l'a fait là, un peu, ouais, écrivain national. Wow. Et alors, je n'avais pas remarqué moi-même, enfin, je veux dire, j'ai pris conscience en... J'étais un écrivain national, je ne suis pas le seul, hein, mais d'une certaine façon, ça suffisait à légitimer le fait qu'on l'accueille pendant 15 jours et qu'il y ait des petits fours après, quoi, vous voyez. Donc sommaire, alors après moi ça me permettra de savoir qui a lu mon livre ou pas. L'anecdote sur le maire qui me fait acheter 3 cubiténaires de 5 litres
de vin médiocre au supermarché, ça m'est arrivé. Ah, d'accord. Donc le maire, c'était pas une petite ville en plus, donc s'il me dit « ton livre c'était formidable », je sais qu'il l'aura pas lu, quand je le revois. D'accord. S'il me dit « mais t'étais, les histoires de vin, t'étais pas obligé de... c'est gênant, enfin bon... » Enfin, d'ailleurs, je vais le revoir en juin. Attention, j'appréhende un peu. Parce qu'en plus, c'est un type plutôt... Alors, c'est une caricature du... C'est un maire très actif, mais c'est un type un peu sanguin, quoi. Donc, on va voir. Soit ça le fait marrer, soit ça le fout en colère. Et bon, et ça, c'est un peu vrai de... Quand on écrit en particulier, moi je suis, enfin j'aime bien écrire sur l'époque, c'est-à-dire que j'ai pas envie de déplacer mes protagonistes dans l'histoire, j'ai envie de parler du monde aujourd'hui tel qu'on le vit, l'expérimente, tel que je le traverse, donc il y a à tout moment des gens qui peuvent s'y reconnaître, et ils ont raison, ça crée des problèmes. Alors bon, les libraires, j'ai beaucoup entendu qu'il y avait... Et encore il y a 3 jours que je faisais un portrait de dévalorisant des libraires parce qu'ils servaient du jus d'orange tiède. Du petit gâteau sec. Mais c'est pas vrai. Non, c'est dans les médiathèques. Parce que dans les médiathèques, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool. Alors bon, ils mettent. Je dis du jus d'orange tiède, mais en même temps, ça tombe bien parce que je l'aime pas trop frais. Alors. Non, les librairies, c'est vrai que souvent, à la fin, il y a un pot, il y a du vin. Et d'ailleurs, à un moment, je suis allé revoir mon livre parce que j'étais un peu gêné que les libraires... Donc, il a fini de parler, il dédicace, et on lui sert 4 verres en même temps, il les boit, ce qui fait qu'il est ivre au bout de 5 minutes. Bon, donc c'était pas du jus d'orange, mais bien... Le fait donc d'écrire en plus sur un écrivain, qui en plus a écrit certains de mes livres... fait que la confusion est totale. C'est-à-dire, qui s'appelle Serge, hein, le narrateur s'appelle Serge. Mais oui, mais il y en a d'autres. Enfin, il y en a qui s'appellent Serge. Alors, bon, et là, sans le faire exprès, parce que... Vous savez, un roman, il y a toujours pour moi, il y a 2 choix. Soit je l'écris à la première personne, soit je l'écris à la troisième. Quoi, hein. Le fait de mettre à la... Il arriva sur lequel gars, on décadre en tout cas. Là, un roman qui s'appelle L'écrivain national et qui commence par « je », on dit « ah, c'est lui ». Et donc, le malentendu, il vient de... Bon, il est plusieurs fois dans la boue. J'ai eu des courriers en me disant « mais vous pourriez changer de pantalon quand vous êtes... » Bon. Hier, on me ramenait en voiture, j'étais à Béziers. Un libraire me dit « je ne vous prête pas ma voiture parce que vous allez l'abîmer ». Mais je dis « mais non, c'est pas moi, c'est de... Et donc, il y a un moment, ce livre, il va que j'en sorte parce que. Non, mais c'est ça qui est truculent à lire, hein, c'est que vous en jouez, ça, justement, de cette confusion entre la vie de l'auteur, le narrateur. Puis au fil du livre, ça devient de plus. Enfin, il lui arrive des choses incroyables, alors qu'à la base, ça doit être un séjour très calme et très tranquille. Et on décolle littéralement vers le polar thriller. Hein, donc. On imagine bien que tout ça, ça ne vous est pas arrivé dans la vraie vie, quand même. Pas tout. Mais le fait de m'intéresser de près à un fait divers, j'ai eu cette démarche, j'ai eu cette envie. Et c'est vrai que il y a plus de 10 ans, donc un vrai fait divers, qui était un peu similaire, d'ailleurs. Et simplement, en allant voir, en voyant ce chemin, comme je l'ai vu là... Enfin, parce que quand il y a un fait divers de cette nature, il y a eu des gendarmes, des enquêtes, des recherches avec les chiens, enfin bon. Et tout ça, une semaine après, il reste les stigmates sur les chemins. Et c'est là que j'ai, d'une certaine façon, réalisé que s'approcher de près d'un fait divers encore récent, tout chaud, j'allais dire, c'est pas une démarche anodine. Quoi. Donc du coup, j'ai jamais écrit concrètement sur un vrai fait divers, comme ça se fait. Beaucoup et des tas d'auteurs aujourd'hui écrivent sur de l'affaire DSK à l'affaire Campus en passant par. Enfin, il y en a plein, quoi. Oui, il y a, Manuel Carrère. Carrère l'avait fait, même, on peut dire que c'est un pionnier. Hein, enfin. Oui. Mais Carrère l'avait fait jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la frontière de la folie. Parce que écrire sur un fait divers, il y a un moment, il faut le payer. Quoi.
Et lui, d'une certaine façon, l'a payé, parce qu'il n'était pas bien. Hein. Bon. Mmh. Et puis son livre est très fort, cadent. Donc ça confine à la... Je veux dire, quand on veut expliciter la folie des autres, il faut soi-même... Donc j'ai pris ce parti de jamais écrire sur un vrai fait divers, mais de le recréer. Quoi. Ce qui me permet de, voilà, de, en même temps, de créer... C'est un roman à suspense, parce que ce fait divers, il est anecdotique, et petit à petit... L'auteur s'en rapproche, et il s'en rapproche tellement qu'il va tomber dedans, on va dire. Donc il va être, pour tout dire, impliqué, parce que on retrouve chez les deux suspects certains de ses livres qui sont dédicacés, avec écrit en dessous, amicalement. Bon, et ça, comment on... Oui, non, mais on le fait tous, non, mais amicalement, je veux dire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un d'un peu suspecté par la police, si on retrouve plusieurs de vos livres... avec amicalement, donc vous êtes un ami, enfin bon, et du coup vous devenez vous-même un peu... Insisté. En tout cas, voilà, et bon, donc c'est un roman qui explore plusieurs genres, et je voulais faire ça dans la mesure où moi, ma démarche, j'ai souvent à voir avec le cinéma, parce que j'ai soit été adapté, soit adapté d'autres auteurs, enfin bon, et il y a un moment, je sais que le roman est plus fort que le film, et ce roman est déjà... un producteur a acheté les droits, Jean-Louis Livy, qui était le producteur de René, a acheté les droits, de René et de Sauté, enfin, entre autres, bon, a acheté les droits de ce roman. Et une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'on enlève du roman pour que ça rentre, parce qu'un film, sinon le film fait 5 heures, mais enfin, il me le dit, je le sais, mais il me le dit comme ça. Enfin, bon, voilà, donc il y a un moment, il faut faire des choix. D'une certaine façon, c'est bien pour dire que le roman, entre guillemets, c'est pas le mien, mais le genre. Il est plus fort. Il peut déplacer complètement ses personnages, il peut aller d'une époque à l'autre. Enfin bon, ça au cinéma, il y a... Parce que le cinéma, de plus en plus, si vous regardez les génériques des films, de plus en plus, on voit adapter à partir de tel roman, adapter de tel roman. Parce que les auteurs sont de la littérature, on va dire, est devenue une sorte de mine, comme ça, à histoire pour les... Pour les scénaristes, les producteurs, enfin le cinéma s'alimente et le cinéma a avant tout besoin d'histoire et de personnages. Bon, et là ça tombe bien parce que des personnages, il y en a quelques-uns. Alors il y a effectivement l'auteur, mais il y a aussi, je ne sais pas, la patronne de l'hôtel qui est un personnage Madame Meunier, un peu maternant, parce que bon ça. Un producteur a besoin de distribuer des rôles après, donc il faut que des rôles qui soient... Enfin, je vois bien Chabrol, qui n'est plus là, hélas. Mais il aurait été... Chabrol, moi, je... Il aurait bu du petit lait, hein, en disant l'écrivain national, c'est clair. Et j'avais travaillé avec lui sur UV, l'adaptation d'un de mes précédents romans. Bon, bref. Et oui, là, en plus, en province... Parce qu'on est toujours, en tant qu'écrivain, on se trouve des références littéraires, mais enfin, Chabrol, c'est pour moi une référence qui est aussi. Qui n'est pas littéraire, mais qui est cinématographique, mais il n'empêche que sa façon d'aborder les personnages, d'une certaine façon, m'a influencé moi. Et c'est vrai qu'il faut que chaque personnage ait sa réalité, sa véracité, son authenticité. Le maire, d'une certaine façon aussi, c'est le couple de libraires, enfin bon. Tout ça peut prendre une chair. Parfois, j'oublie presque en fait, tous les ressorts du roman, parce que le fond, c'est quand même... C'est qu'on l'histoire revient au fait de... divers, oui. Non, parce que derrière le fait divers, c'est les zadistes, enfin, c'est-à-dire c'est les écologistes activistes qui ne veulent pas qu'on installe une usine pour couper du bois, enfin, une usine pour faire de l'électricité avec du bois, voilà. Hein, parce que tout ce qui sous-tend en fait ce village et cette région et en même temps cette histoire, c'est ce projet d'usine de production d'électricité à partir de bois et de résidus biocombustibles. Oui, c'est-à-dire voilà, c'est faire de l'électricité à partir du bois, sachant que ça c'était écologique évidemment. Mais couper des arbres pour faire de l'électricité, ça ne l'est pas. Donc il y a deux logiques qui s'affrontent, un peu comme le barrage de Sivens, là, enfin, dans le sud, dans le Gard. Et alors, ça, ben, voilà, il y en a qui sont
un peu planqués dans la forêt, qui attendent, dès que les flics arrivent, ils se frictionnent. Enfin bon, le fond, la toile de fond, c'est ça, finalement. Mm. Donc c'est aussi un roman... C'est plus que politique à un moment. Hein. On s'est engagé à créer des zones de compensation à 200%. C'est dire qu'on est encore plus écologique que la nature elle-même. C'est pas fort, ça. Il y a plein de traits comme ça, à la fois un peu ironiques, hein, sur ce que c'est l'écologie détournée par le politique. Oui, c'est pour ça que quand on sort un roman, parfois... Alors, il y a eu le barrage de Sivens, c'était en... novembre. Ouais. Il aurait lieu en août. Je sais que ça aurait été un des angles choisis par certains journalistes pour parler de mon roman. Mais bon, en août, on s'en foutait des actes zadistes. Les zadistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y avait eu Notre-Dame-des-Landes avant, mais bon, c'est déjà... c'est déjà oublié pour nous, mais sur le terrain, c'est toujours là. Quoi. De même qu'à Sivin, c'est toujours... Ils sont toujours là, ils veulent pas partir, ils bloquent les camions. Enfin bon, ça continue. Tout ça, donc le livre était sorti en même temps que l'accident du barrage de Sivin, enfin l'accident, oui, ben, l'accident. Mm-hmm. Je suis sûr qu'il y aurait eu un angle différent. Bon, mais un roman, il n'est pas fait pour vivre par rapport à une actualité, hein, même si on voit à travers le roman de Houellebecq qui rejoint l'actualité d'une façon... c'est presque une déflagration, mais c'est une coïncidence folle. Bon. Mais il n'empêche que c'est parce qu'à un moment, les romanciers ils se sentent un peu... Voilà, le temps, l'époque... Enfin, en tout cas, c'est une sorte d'oisiveté un peu distante qui fait qu'on a peut-être un point de vue un peu plus large. Quoi. Donc c'est aussi un roman sur les activistes... C'est un des thèmes, c'est vrai. Bon. Et ce thème-là, au cinéma, ça ne sera pas une priorité, je pense. Mm-hmm. Je ne sais pas encore comment on va l'adapter, mais enfin, on va se concentrer plus sur l'auteur et le fait divers. Ouais. Mm-hmm. Et l'histoire d'amour. Et l'histoire d'amour, parce que le fait divers... Cette passion née de façon... Vous ne voulez pas un petit peu en parler? Née de façon curieuse, parce que c'est une histoire d'amour qui a une genèse quand même surprenante. Ça naît de l'observation d'une photo dans un journal. Ah bah oui, mais parce que ça fait... Quand il y a un fait divers, il y a toujours une photo pour l'illustrer. Donc, et parfois, on peut être arrêté par la photo, soit parce que... On se dit, tiens, ce type ressemble à quelqu'un, à mon oncle, parce que, tiens, cette fille est jolie, tiens, je sais pas. Et puis bon, et souvent, c'est des photos qui sont totalement hors sujet, parce qu'on illustre un fait divers atroce et on montre une photo d'une jeune femme à son anniversaire ou à son mariage, souriante. Et en dessous, c'est marqué, elle a été retrouvée découpée en 8 morceaux dans le coffre de son beau-frère. Enfin bon, parce qu'il faut de l'image. Il y a un moment, un article, il faut de l'image. Donc là, il tombe sur cet article, ça se passe à côté, et la compagne du suspect, sur cette photo, lui plaît. Voilà. Donc, à partir de là, il va s'intéresser aux faits divers, mais en même temps, c'est un peu un prétexte pour éventuellement approcher cette jeune femme, sachant que son compagnon est incarcéré, et elle a été laissée en liberté, donc elle est toute seule à la ferme. Alors évidemment, un peu en retrait vers la forêt, donc tout le village considère qu'il ne faut pas lui parler, parce qu'on ne sait pas bien d'où ils viennent de l'Est. Oui, c'est dans le Morvan, donc... Oui, alors le ici, hein. C'est sûr que quand on est en Bretagne, il y a déjà... ceux qui viennent de Paris viennent de l'Est, enfin bon, bref. Et c'est ce qu'on... L'appellation, c'est des néo-ruraux. Alors ça, les néo-ruraux, j'étais à la Malou-les-Bains, comme je disais hier, on parlait des néo-ruraux qui redescendent du cannabis du Larzac à la gare de Bédarieux, donc les flics sont... Oh là là, c'était bien compliqué. Dès qu'on s'arrête 24 heures, parce que moi j'aime bien poser des questions, on met le doigt tout de suite sur des tas de tensions qui n'apparaissent pas, mais qui les occupent et qui les habitent. Bon, voilà.
Et les néo-ruraux, alors là, c'est partout, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Enfin, il y en a pour qui c'est un problème. Ceux qui sont dans le Lot avec leur petite villa, les Anglais ou les Hollandais qui ont encore tapé la vierge ferme, ils n'ont pas envie qu'il y a trois troglodytes là qui vivent, on ne sait pas bien ce qu'ils font, ils fument du shit, enfin bon, ils boivent des bières, ils font la fête la nuit. Donc ces tensions-là, elles sont à l'œuvre d'une façon permanente. Donc c'est une néo-rurale, hein, voilà, qui vient de Hongrie, hein, pour le coup elle vient vraiment de l'Est. Et il va effectivement l'approcher, et la désirer. Hein, l'approcher. Hein. Il y aura ben des... Oui, mais parce qu'elle est dans la forêt, donc la forêt, c'est pas... Il y aura des épisodes... La forêt en novembre, c'est compliqué. Hein. Mmh. Et il y a une sorte de réciprocité, mais lui, du coup, ne sait plus si il y a une attirance réciproque ou si cette jeune femme est juste tellement dans les... Dans les ennuis qu'elle a juste envie de quelqu'un qui la sauve. Quoi. Il s'est raccroché. Et alors, bon, il va se mettre à la suivre, et alors là... bon, ben voilà, il va découvrir qu'elle n'est pas si claire que ça, et puis finalement, ils vont s'aimer. Enfin, bon, il y a la fin qui est... Bon, la fin, elle est belle. Hein. Il y a beaucoup de passages qui sont sublimes. Non, mais c'est... Là, si vous permettez, je vais vous lire un petit extrait de... J'ose pas dire la première rencontre, mais elle pénétra dans la maison sans détacher son regard du mien. Elle était telle que je l'avais devinée. Je percevais ce charme que depuis toujours je mendiais auprès des personnages de romans ou de l'environnement réel, ne les dissociant plus vraiment. Je me relevais difficilement, mais puisqu'il est à terre. Là. Une fois debout, elle n'était plus là, disparue à l'intérieur, la porte refermée, le rideau tiré. Même immobile, sans rien dire, cette fille rayonnait d'un charisme total. Si ça se trouve, elle était l'instigatrice de tout. Si ça se trouve, elle contrôlait tout de la situation et de ces êtres qui l'entouraient, qu'ils soient morts ou vifs ou incarcérés. C'est elle qui décidait de tout pour tous. Donc on voit qu'il n'est pas loin de tomber dans un piège. Oui, il est par terre, effectivement. Alors bon, donc c'est pour ça que la scène d'après, il aura de la boue. Sur le pantalon, mais bon, moi je vais faire quelque chose d'un peu réaliste. Et quand s'il est à terre, c'est qu'il est tombé sur trois types qui étaient là chez elle. Hein, donc. Bon, alors évidemment, quand on est romancier, on peut faire décider que son personnage, bon, ils sont trois, mais il va les foutre tous les trois par terre. Bon, ça se passe pas complètement comme ça dans la vraie vie, quoi. Donc, c'est en ça qu'il est quand même un peu réaliste. D'où leur proche qui est de la boue sur le pantalon à la scène, à la page 120. Non, en mais quand il arrive en... Oui. C'est ça, à la librairie. Aujourd'hui, au travers d'Internet, des réseaux sociaux, tout, les gens écrivent de plus en plus facilement aux auteurs, finalement. Mm-hmm. Avant, il fallait faire une lettre, l'envoyer chez l'éditeur, on ne savait pas si elle était... Alors qu'aujourd'hui, les gens trouvent toujours bon, un site, un blog, votre adresse même, parfois, votre email, Facebook. Hein. Et donc, on reçoit beaucoup plus de retours de lecteurs qu'avant, finalement. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Voilà, donc, il faut parfois vivre avec ça, le fait que son personnage est trop souvent taché et qu'on boit beaucoup dans le livre. Donc, il y a un moment d'argumentation, on ne sait pas bien comment il faut réagir. Quoi, donc, bon, j'essaie de prendre ça avec humour en disant, écoutez, la prochaine fois, je mettrai un pressing dans la rue. Comme ça. Parce que c'est vrai que cette ville, il n'y a pas de pressing. Voilà. Bon, c'est un détail. Hein, mais simplement, il y a un moment, j'aurais pu décider, oui, j'aurais pu décider de mettre un pressing dans la rue du commerce. Il aurait pu y aller, ça m'aurait fait 2-3 scènes de pressing, on ne sait jamais. Et cette dame aurait été contente et le pantalon aurait été propre. Mais moi, j'essaye toujours quand j'écris de faire image. Et si vous, c'était, il y a un moment, on arrive comme ça devant les autres, hein, en plus, dans cette configuration-là, c'est-à-dire un auteur et vous en face. Et bon, alors, si j'arrive avec plein de boue, vous allez voir que ça. Et moi, d'une certaine façon, je ne suis pas.
Donc le malaise est là. Alors soit je m'explique, soit il y a en même temps, il se dit comment il a fait cette. Il est, où est-ce qu'il est allé, bon. Donc ça permet d'instiller voilà, une petite touche de malaise. Et ça fait image pour moi. Oui, il va se retrouver plusieurs fois dans cette situation où effectivement il surprend son public. C'est comme il a dû se surprendre lui-même aussi, parce qu'il s'est mis dans des situations compliquées quand même. Hein. Oui, mais simplement par curiosité. Par curiosité, oui. Et par désir un peu, quoi, parce qu'il y a un moment aussi, deux êtres, ils se trouvent aussi. Lui est là un peu paumé, elle est complètement perdue, et bon, finalement, ils sont faits pour s'approcher. Ouais. Ah, ça, c'est pour l'histoire d'amour, sachant que il y a deux scènes d'amour, enfin, pour le sexe, on va même dire, érotique. Ouais. Donc, il y a vraiment une histoire d'amour entre eux et qui. Et jusqu'à la fin, quoi. Hein. Non. Mais s'il faut lire le livre. Non, enfin, je pense pas. Parce que moi, je les laisse à un moment où, après. Bon, mais j'aime bien. Parce que ça m'intéresse, l'amour, moi, les histoires, la façon dont les gens se rencontrent, tout ça, et puis la façon dont. Un couple, je trouve, c'est tellement mystérieux et facile. Hein. J'étais donc. Dans l'Hérault, hein, avant. J'ai été accueilli par un groupe de lecteurs qui était. J'ai oublié comment ça s'appelle. Lecture Vagabonde. Bon, voilà. C'est une association qui a fait. Enfin, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Oui. Il y en a un peu dans chaque département, je crois. Et donc, ils sont assez nombreux comme ça. Et il y a un moment, comme c'est très éparpillé, parce que. Il y a des petits villages un peu partout. Donc, il y en a qui se disent tiens, vous allez chercher l'auteur. À la gare de Bédarieux. Et là arrive un couple, je pense, jeune retraité, je dirais, hein, en retraite depuis pas très longtemps, qui étaient parisiens et qui sont allés au fin fond de l'Hérault, là-haut, hein, au-dessus de la Malou-les-Bains, c'est pas pareil. Hein. J'ai senti chez eux comme un ennui. Et donc, moi, je descends de ce train. Le TER à 1 €, parce que là-bas, quel que soit le trajet, qu'on monte jusqu'à Clermont ou qu'on aille jusqu'à Bédarieux, c'est 1 €. C'est formidable. Hein. En même temps, ça en dit long sur l'avenir de cette ligne ferroviaire. Hein. Là-dedans, alors, un TER poussif, 5 voyageurs, dont 4 ivres, une contrôleuse qui gérait ça. Enfin, c'était vraiment un peu angoissant. Et donc, je descends tranquillement avec mon chat. Cette gare, il n'y a pas de quai, mais c'est bon. Mais par contre, il y a un sapin. Alors, je pourrais vous montrer la photo après. Un sapin gigantesque sur le quai de la gare, avec un dôme pourtant. Hein. Je m'arrête, je les vois, mes deux. Je prends la photo, quoi. Et là, je me retourne. Le type m'avait déjà pris ma valise. C'est-à-dire qu'ils m'ont sauté dessus. Ouais. Et là, j'ai senti. Alors bon, on va dans la voiture, un 4x4, un faux 4x4, là, un truc. On me dit de monter devant, je monte devant, je ne vais pas. Même si je préfère être derrière, moi. Et alors, on commence à rouler pendant 20 km. Je ne savais pas bien où on allait. Hein. Moi, j'attendais mon hôtel. Parce qu'il y a un moment, quand on est comme ça, c'est un peu comme dans le livre. L'hôtel, c'est un peu le camp de base. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Parce que les gens vous disent, vous savez, on va aller à Corlon, mais d'abord on va passer à Bédarieux, après on ira à la Malou. Mais avant d'aller à la Malou, il y a un pot à la. Il faut un. Enfin, pour moi. Oui. Je sais que ma valise est là et que c'est à peu près par là qu'il faut y retourner. Mais non, 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 il n'y a pas d'hôtel, vous dormez chez nous. Oh là 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 là. Non, ça, c'est pas possible. Surtout que ce couple, dans l'amour, hein. Mais ils étaient épuisants parce que j'ai vu le gars. Commence à me dire, vous voyez, là, c'est l'Orme qui a débordé le 14 octobre 2014. Et elle commence à dire, non, c'était le 15. Mais si, je te dis que c'était le 14. Non, c'était le 15. Oh, c'est pas grave. Donc, j'étais à tempérer à tout moment. Dès qu'il y en a un qui parlait, l'autre le contredisait. Et en même temps, il voulait pas que ce soit spectaculaire parce que j'étais là. Mais quand même, il était d'accord sur rien. Bon, alors moi, j'ai dit, on va mettre tout le monde d'accord.
parce qu'ils voulaient me montrer leur maison. Je dis, vous me la montrez, je reste devant, on la regarde, mais on me trouve un hôtel. Ah, mais il trouve un hôtel ici, mais il n'y en a pas. Mais si, on va trouver, on va trouver. Donc je suis devenu un peu, alors là, j'étais un peu directif, on a trouvé un hôtel à la Maloulena. Et donc, c'est un beau couple, on va dire, sûrement ensemble depuis très longtemps, enfin, parce qu'après, moi, je pose des questions, mais de rien, quoi. Mais ils s'enquiquinent un peu tous les deux, donc dès qu'une occasion se présente, ils le gavent, quoi. J'en pouvais plus. Donc, et on fait cette lecture, là, enfin, c'est pas cette rencontre, hein, bon, dans un grand café à Cornlo. Alors, il y a 240 habitants, mais le café est 4 fois grand comme ça. Hein. C'est vous dire, le centre d'intérêt est magnifique, en plus, avec un poêle au milieu à boire. Enfin, là, pour le coup, j'étais dans le roman. Quoi. C'était, ah, mais vraiment, quoi, c'était d'ailleurs un peu trop blanc. Et, au-dessus de la Maloulé-Bain, quoi, dans le pays des cantons. Là. Bon, bref. Et après, il y a un repas, enfin, une sorte de buffet, un buffet comme ça. Et puis, je les vois, les deux qui m'attendent. Ben, je dis quoi, il était 10 heures. Non, on vous a fait un curry d'agneau. Oh, je dis, on va pas aller chez vous pour tourner à l'hôtel. Il dit, non, pas de curry. Vous me faites des bocaux pour demain, dans le train. Moi, je comprends le poids du sac. Et donc, et le lendemain matin, à 10 heures, ils étaient au pied de l'hôtel à m'attendre. L'envahissement, j'en pouvais plus, j'ai failli rater mon train à cause d'eux. Donc ce couple-là, il m'a. En même temps, il me fascinait, mais il me faisait tellement. Le problème, c'est que j'étais impliqué. Quoi. Il fallait que je sorte. Quoi. Mais tous mes romans, c'est un peu des histoires d'amour en contrebande, en fait. Parce que j'ai pas envie de dire, tiens, je fais un roman d'amour. Hein. Mais à chaque fois, il y en a une quand même. Quoi. L'amour sans le faire, évidemment. UV, enfin, je sais, la plupart. Quoi. Parce que c'est. Voilà, parce que. Non, mais c'est pas. Je ne sais pas là de correspondre, de coïncider à la thématique, à ces pages d'amour. À ces pages d'amour. En deux mots, hein. C'est pas fait, parce qu'on vient d'une région viticole, alors. Oui, mais il y a un jeu de mots ici. D'accord. Justement. Ah, justement, alors. Parce que c'est une région viticole. Ah, aussi, oui, mais où il y a. Quelle région n'est pas viticole? Et donc. Le Morvan. Le Morvan, oui. Ah oui, enfin, dans la Nièvre, pas loin, il y a. Ah si, il y a les coteaux du Génois qui sont pas très loin. C'est un très bon petit vin rouge, quoi. C'est un sous-Sancerre. Un sous-Sancerre. Moi, j'aime bien un vin de soif, qu'on appelle ça. Quand on a soif, ça tombe bien. Et donc, parce que j'ai pas envie non plus qu'on. On dit, c'est un écrivain, il fait des histoires d'amour. D'ailleurs, on ne l'a jamais dit vraiment. Enfin, sauf par hasard, il y en a qui dit, quand je lisais le Nouvel Op, c'était Joncourt, l'amour toujours. Voilà, c'est dit, je me rappelle, parce que c'était quand même élaboré. Mais en même temps, il m'avait bien vu, quoi, parce que c'est un peu vrai. Et le prochain sera pire. Il y aura encore plus d'amour, mais ça se verra peut-être encore moins. Je parle trop vite. Non. Alors, il y a un extrait que je tenais à lire aussi, justement sur qu'est-ce que lire. Les autres, on les croise toujours de loin. C'est pourquoi les livres sont là. Les livres, c'est l'antidote à cette distance. Au moins, dans un livre, on accède à ces êtres irrémédiablement manqués dans la vie, ces intangibles auxquels on n'aura jamais parlé, mais qui, pour peu de se plonger dans leur histoire, nous livreront tout de leur plus intime ressort. Lire, c'est plonger au cœur d'inconnus dont on percevra la plus infime rumination de leur détresse. Lire, c'est voir le monde par mille regards. C'est toucher l'autre dans son essentiel secret. C'est la réponse providentielle à ce grand défaut que l'on a tous de n'être que soi. C'est magnifique, mais... Il y a des passages, il y a des dizaines de passages. Regardez le nombre de marque-pages que monsieur fait dans ce livre, de magnifiques envolées comme ça qui sont tout à fait vraies. Ah ben merci parce que non mais moi je le pense. Hein. Enfin je veux dire, j'ai toujours un peu cette curiosité qui m'est propre. Enfin mais en même temps. Je ne suis sûrement pas le seul, simplement je le dis, quoi, d'être curieux des autres, savoir un peu. Vous voyez, voilà, parce que toute histoire est
est intéressant. Et finalement, c'est difficile, même ses amis, parfois on ne connaît pas tout, mais il y a eu l'invention du téléphone portable. Et ça, pour quelqu'un, pour un curieux comme moi, c'est une sorte d'aubaine gigantesque, si vous voulez. Là. Moi, je suis venu en TGV, c'était calme. Bon, il faut dire sur les lignes Paris-Strasbourg, on sent l'Alsace. Quand ils vont téléphoner, ils vont sur la plateforme, vraiment. Alors que j'étais avec deux en revenant hier. Comme, hein? Quand on vient. Oui, il était dans le bon sens. Peut-être, mais hier je revenais de Béziers, et là je peux vous dire, on sent, ça ne sent pas l'Alsace, hein, parce que j'en avais deux à côté de moi, et en plus ils parlaient fort, mais c'était. Et j'arrivais pas au début à savoir, mais bon, c'était excitant aussi. Parce qu'ils parlaient de chef d'équipe, si c'était des flics ou des. Et en fait, j'ai compris à un moment qu'ils. Parce qu'ils commentaient les postes d'aiguillage. Bon, tiens, c'est vraiment. Il me dit ça, c'est le B-52. Ah, tiens, c'est celui qui a cramé. Ah oui, oui. C'était du cheminot. Et je les écoute. Et alors, finalement, après, ils se sont mis à parler doucement, parce qu'on est à Valence, il y a du monde qui est rentré dans le train. Et ils ont dû bouger, parce qu'ils n'avaient pas de vraie place, en fait. Enfin, bon, ouais. Hein. Mais bon, pendant trois quarts d'heure, comme ça, je les ai entendus avec leur langage, avec leur. C'était fascinant parce que c'est vrai qu'entre Valence et Béziers, la ligne à grande vitesse n'est pas finie de construire. Et donc, comme l'un commentait, le grand bavard n'arrêtait pas. Il dit, tu vois, parce que là, ils vont faire un pont. Là. Et moi, donc, j'aime les trains. J'ai une fascination pour le train. Et cette ligne-là, du coup, j'ai comme une sorte de leçon de, elle passera par là, ici, il y aura un pont. Et enfin, bon. Et vous voyez, je l'ai vu avant même. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, s'il l'est toujours, oui. J'ai toutes les infos. Quoi. Et alors, quand le train ralentissait, il nous disait, non, mais c'est normal, on va faire un passage à 20, non, à 40. À 40, oui. Ah oui, tu as raison, c'est le drapeau. Oui. 40 km, enfin bon, et donc. Et là, on se rend compte que chaque métier, chaque corps de métier a son langage, a sa culture. Et ça, c'est fascinant, surtout quand on veut après faire des livres avec, je ne sais pas, un cheminot. Vous voyez, si moi, un jour... Là, il y a un peu des gendarmes, quand même. J'avais envie que ça parle vrai. Et d'une certaine façon, étant attentif aux autres, j'arrive à me mettre un peu facilement dans la peau aussi bien d'un gendarme que d'un cheminot, que d'un je ne sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Et le téléphone portable, à tout moment, quand on est avec quelqu'un dans le train ou ailleurs, enfin, on ne sait pas bien... Alors. Vous savez, dans un carré, là, on est quatre, on ne sait pas qui. Et dès que quelqu'un se met à téléphoner, on entend le son de sa voix, les intonations, la façon dont où il parle, ses centres d'intérêt. Enfin bon, il y a. Et puis il y a ceux qui nous font. Alors, et là, il faut aller vraiment jusque le Var et les Alpes-Maritimes. Et là, vous avez toute la. Alors là, vous avez tout. Hein. Il suffit d'écouter. Il y en a 40 qui parlent et qui racontent toute leur vie. Mais c'est incroyable. Hein, Vous avez une très jolie formule dans le livre. Vous dites qu'il y a un peu de pudeur à Paris. Que dans le Var, je vous assure que. Puis il balance tout. Hein. Cette vieille conne, je ne vais pas encore la raconter. C'est ta mère, mais je m'en fous, je ne l'aime pas. On est comme baigné, je voulais, dans la sphère de parfaits inconnus qu'on ne reverra jamais. Moi, ça me fascine, ça. D'ailleurs, si Queneau avait écrit les exercices de style dans le bus, il n'y avait pas de portable, c'est sûr qu'il aurait fait. Mais... Oui. Vous avez une façon littéraire aussi de résumer ça en disant l'écrivain, se présenter aux autres en tant qu'écrivain, c'est prendre le risque d'être perçu comme un réceptacle. C'est. Oui, parfois il y en a qui ont envie de vous raconter, qui viennent vers vous en disant il faut que je vous raconte ma vie parce que vraiment c'est. Et parfois c'est vrai, hein. Mais en même temps, bon ben. Je ne suis pas biographe. Quoi, mais, Vous êtes un réceptacle avec de grandes antennes. Oui, oui, parce que bah oui, parce qu'on est tous surprenants pour les autres, d'une certaine façon, et certains le sont encore plus que d'autres. Oui. Mais c'est les post-it, il y a une couleur en fonction oui. de. Oui, oui, tout ce qui est rose, c'était l'amour. Il y en avait plein. Ouais.
Vert, c'était la forêt, parce qu'elle a quand même une grande, grande place, hein, la forêt. Il y a des pages mais magnifiques sur la peur que peut engendrer cette forêt qu'il est obligé de traverser pour aller voir Dora, dont il est pris. Hein. C'est rose. Alors, bleu, c'est tout ce qui est le fait divers. Hein. Voilà, et ce qui fait de ce livre, hein, qui l'a transformé un peu en thriller. Voilà, vous savez tout. Impressionnant. Ouais. Oui, non, mais bon. Voilà. C'est très fort, oui. Parce que autant parler de son livre quand on l'a écrit, c'est un peu facile, mais autant poser des questions comme vous, alors que vous n'avez pas écrit. Enfin, je veux dire, vous l'avez lu, mais vous l'avez. Ah oui, je l'ai adoré. Mais non, mais je veux dire, c'est pas vous qui l'avez. Non, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, bon. C'est plus facile pour moi d'en parler. Et c'est toujours un exercice. D'ailleurs, ça, j'en parle dans le livre. Il y a un moment où, effectivement, parce que nous, les auteurs, on est souvent, enfin, pour ceux qui ont envie de le faire, en librairie, ouais, et on y a un exercice de questions comme ça. Et on ne mesure pas à quel point c'est pas simple de poser des. L'interview d'auteur, c'est pas évident, vous faites dire un de vos personnages. Oui, devant un public, à un auteur dont on ne sait pas s'il est sympathique ou pas, s'il va aimer ce qu'on lui dit ou pas. Enfin, parce que les auteurs, parfois, ils sont un peu susceptibles. Bon. Donc ça, je l'ai mis dans. Je m'en suis servi. D'ailleurs, là, du coup, il y a beaucoup d'écrivains. Enfin, entre auteurs, on se croise un peu, on se connaît. Bon, ouais, puis moi, je suis un mec assez sympathique d'une façon générale, donc j'aime pas mal de copains. Qui me dit, ah, t'as bien fait de parler de ça, parce que c'est vrai. Il y a la gêne que peut avoir le libraire quand il commence à parler de votre livre, à poser des questions. Et c'est un libraire, c'est comme dans le livre. Il était venu me chercher en voiture, encore une fois. Là. Il y avait, à la gare de Mâcon, il y avait une trentaine de minutes de voiture. Il m'a amené vers la librairie. Et là, il ne me dit pas un mot. Donc j'essayais d'engager vaguement la conversation, mais il ne voulait pas. J'ai dit, tiens, peut-être qu'il n'a pas envie de me recevoir. Ça aussi, on se dit ça à nous. Auteurs, ils nous ont invités. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Le libraire est là. Non, mais. Comme, Emmanuel Carrère n'était pas disponible. Franquino, c'est le Renaudot, donc un peu plus de latin. Alors, bon, il y a Joncourt, bah, tiens, voyez. Et je dis ça, bon, alors que Franquino le fait souvent. D'ailleurs, Franquino, on s'est croisés souvent à faire tous les salons, les librairies, etc. C'est aussi comme ça qu'on est devenus amis, parce que c'est quelqu'un qui aime ça aussi. Quoi. Mais il n'empêche qu'il y a un moment, on est un peu entre les mains de quelqu'un. Vous savez, c'est sans anesthésie, quoi. On est un peu, on opère à vif. Quoi. Et en général, ça se passe bien. Bon, avant-hier, la personne a une phrase un peu. Elle dit. À propos de l'autre livre, c'est là que vous avez l'astuce de si. Et les gens, au mot astuce, ils disent on ne dit pas une astuce. Un écrivain n'a pas une astuce. Bon. Et donc là, j'ai dédramatisé. Je dis oui, elle a raison, c'est une astuce. Parce que c'est la table de. Il y a une table de ferme dans L'amour sans le fer, là. Et la table de ferme, c'est un peu ce qui fait que l'homme et la femme, c'est pareil, aussi une histoire d'amour. Hein. Moi, je voulais parler du moment où. Dans la civilisation, on a décidé de prendre la table de la salle à manger pour la mettre dehors et de manger dehors, alors que ça n'a pas de sens. Et ça, moi, je l'ai vécu. J'étais môme, mais je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Mais je voyais bien que ma grand-mère, en voyant mes parents et mes oncles mettre la table de la salle à manger, qui était énorme, un truc énorme et lourd, la mettre dehors pour qu'on mange dehors. Alors qu'une fois dehors, on avait le soleil, il fallait qu'on. On n'avait pas acheté de parasol, donc il fallait mettre une bâche pour pas avoir le soleil. Enfin bon. Et ma grand-mère nous voyait faire ça. On disait, elle n'avait pas voulu manger dehors. Et c'est là que le monde s'est fracturé. Enfin, c'est là qu'on est passé au 20e siècle, au 21e. C'est à partir de là. Et donc voilà. Alors bon. Et la modératrice, comme on dit, modératrice. Oui, le terme aussi, on ne sait jamais, modératrice. Et le terme d'astuce, et là, c'est pas une astuce. Et moi-même, je me disais, c'est pas une astuce, c'est juste que cette table de c'est important. Mais donc, j'ai pris son parti parce que le public commençait à dire, ah non, il ne faut pas dire astuce. En plus, dans le midi, ils disent des choses. Hein. voilà. Pardon, je vous ai interrompu. Oh, on avait des discrétions, effectivement.
Mais sur la forêt, oui, parce qu'en fait, c'est aussi... La forêt, c'est quand même un peu... C'est peut-être le personnage principal, parce que c'est ce qui fait que... Ben, ces histoires d'usines, ce qui fait que les zadistes, là, peuvent se planquer, ce qui fait qu'il y a des enjeux commerciaux autour du bois. Enfin, le bois, on se rend compte que ça devient... Il y a même des sociétés d'investissement en bourse qui investissent dans des parcelles de forestières. Mais c'est plus rentable que l'or, hein, donc... Ces enjeux-là, ils existent. Et moi, je les vois à l'œuvre au travers de ma famille, parce que je vois à quel point, d'un seul coup, des parcelles, des hectares dont ils n'avaient rien à foutre depuis des générations, là, d'un seul coup, ça devient important. Et qu'ils mettent des clôtures autour, et que, bon, il y en a qui ne se parlent plus dans ma famille, parce qu'il y en a qui a coupé du bois et qui le vend. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires de famille, mais c'est ça. Mais il y a un truc à faire avec le bois, parce que les gens se chauffent au bois. On a redécouvert ça. Avec les fours à insert, enfin les poêles à insert, là, ça revient 6 fois moins cher que le gaz, bah évidemment, donc c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on traverse, moi je prends beaucoup de train, effectivement, on voit de plus en plus de stères de bois un peu partout. Et quand on va vers l'Allemagne et l'Autriche, alors là, c'est. Même culturellement, c'est intéressant parce qu'on voit en France le stère de bois, c'est un peu le bancal, et ça me paraît bien. Mais quand on arrive vers l'Autriche, je suis allé en Hongrie en train, là, et on a, alors la Hongrie. Bon, je crois que c'est en béton, c'est des fosses. Tellement. Nickel, avec une bâche dessus, des stères de bois de 50 mètres, enfin. Et de plus en plus, d'année en année, il y a de plus en plus. Hein. Et par contre, on arrive en Hongrie, alors là, c'est un peu en vrac, il y a du carton au milieu, enfin bon, ouais. Culturellement, enfin, rien qu'à regarder le tas de bois, on voit un peu la culture, quoi. Bon, voilà. Donc j'avais aussi envie de parler du bois. Quoi. Mmh. On en parle dans le bois, enfin, dans le livre. Dans le bois. Enfin, dans le bois, on parle du livre. Enfin, la forêt, c'est mieux que les mines et les carrières. La forêt, c'est de l'or qui pousse en dormant. Ça, c'est pour les traits d'esprit, mais il y a des descriptions qui sont magnifiques. Hein. Mais comme dans L'amour sans le fer, où effectivement la nature, elle a vraiment un rôle dans le rapprochement des protagonistes. Là, la nature, elle est omniprésente, l'humidité de ces bois qui va imprégner les personnages aussi, qui les protège, et puis qui fait peur. Hein. Enfin, y a des passages où il a profondément peur, cet auteur, hein. peur des sentiments qui sont en train de l'habiter, mais aussi peur de cet environnement hostile dans lequel il est. Oui, on se perd facilement en forêt. Hein. A fortiori, si on ne connaît pas à la fin, mais même quand, enfin, moi je me suis une fois ou deux perdu, enfin, une fois avec mes parents il y a très longtemps, on avait très, enfin, on a eu peur, parce que la forêt, la nuit tombe plus d'un coup, quoi, et on avance sur le reste du monde, maintenant. On se fait un peu piéger, et puis il n'y a plus de repères, enfin bon, et puis en même temps, il y a des faux repères, on croit qu'on est passé là, mais en fait, ça y ressemble, mais c'est pas ça, enfin bon, et ça devient. Aujourd'hui, encore une fois, le téléphone portable, on peut se géolocaliser. Moi, il y a 3 ans, je m'en suis sorti comme ça. Parce que, en même temps, bon, j'aurais pas appelé les secours. Mais bon, disons qu'on a l'air un peu con quand on a. À 21h, on appelle la famille en disant écoutez, je sais pas où je suis paumé. Venez me chercher. Mais... t'es où? Mais je sais pas. Hein. Donc la forêt, ça peut être ça. Quand... Enfin, alors lui, il la connaît pas du tout. Mais... Il est. C'est un monde à part, la forêt. C'est un monde sur Terre, c'est un monde dans le monde. Où il y a assez peu de gens, finalement. Enfin, bon, oui, surtout en hiver, et ça peut devenir un peu compliqué. Et voilà. Ouais. La forêt va l'apaiser aussi, hein, à un moment. Ah oui? Oui. Oh, c'est magnifique, ça. J'adore ce passage. Hein. Je lis. Donc après cet épisode, bah vous découvrirez lequel hein, en lisant le livre. Plutôt que de prendre à droite pour retourner en ville, je partis vers cette zone où tout se perd. Je roulais dans la forêt, m'enfonçant le long de ces routes ombreuses comme pour me défaire de moi. Je me sentais sale, dévaluée, je n'étais plus rien qu'un type fragile et lâche, le plus pleutre de tous mes personnages. La forêt emplissait le regard et les poumons, l'air y entrait plus profondément dans la poitrine. En roulant la vitre entrouverte, j'avais la réelle sensation de trouver un environnement allié. J'aurais dû avoir peur de me perdre, mais à mesure que je coulissais le long de ces couloirs d'arbres de plus en plus étroits, j'avais l'heureuse sensation de disparaître, soulagée de tout regard, de toute conscience.
puis je vais m'arrêter là, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre, voilà, la forêt va l'apaiser. Il y a plein de passages comme ça où. Ouais. Non, mais la forêt, c'est. Là, j'aurais dû le mettre dans le titre d'ailleurs, mais enfin, c'est trop tard. Mais ça doit donner quoi alors, l'écrivain national dans la forêt? Non, c'est bon. Non, en fait, j'aurais bien mis. Non, mais ça, c'est Reinhard qui a déjà fait. Hein. C'est l'amour et les l'amour, forêts, c'était déjà pris. Hein, donc. Bonjour. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Oui, c'est vrai, peut-être. J'avais un autre titre. Bah, oui, c'est dans la forêt perdue. Et en fait. J'ai perdu U. Donc, c'est un peu forêt de conte de fées. Oui, parce que je la veux la comme ça. C'est un peu un conte, dans la mesure où, sauf que là, c'est un cauchemar, mais effectivement, il y a la fée, quand il se demande si c'est pas une sorcière. Enfin bon, je suis un peu joué avec tous ces codes-là du conte, parce que c'est toujours la forêt. Et bon, le petit poussé, est-ce qu'il se perd lui-même, comment il essaie de retrouver son chemin, enfin bon, voilà. De toute façon, la forêt, ça convoque, ça inspire, et puis ça parle, on dit le mot forêt, chacun a l'image de sa forêt, mais enfin bon, il n'empêche que ça fait image. Oui. Ben, on a fait un peu le tour, on a fait un petit peu le tour des thèmes importants, hein, on n'a pas énormément parlé de la passion amoureuse, mais il y a effectivement des multitudes de passages, mais sublimes. Il y a un passage sur effectivement le baiser qui est extraordinaire, que je vous laisse savourer. Ah oui, parce qu'il est quand même. Il est anthologique, quasiment, oui. Non, c'est pas ça. Il va devenir anthologique. Non, mais il y a deux, trois scènes un peu, oui, enfin sensuelles. Oui, peut-être sensuelles. C'est pas érotique, ça cadre parfaitement avec ce qui arrive au protagoniste, et c'est dans la continuité, c'est très, très beau. C'est pas, oui, les scènes sensuelles ou érotiques, c'est pas facile, enfin, c'est pas facile. Enfin, que ça fasse image tout en essayant d'éviter les archétypes et les. Enfin bon, voilà. Mais dans le roman de Reinhard, il y avait de belles scènes. Oui, il y a de très très belles scènes aussi. Sensuelles. Il y a une autre similitude avec le roman de Reinhard, parce que là. Il y a un passage dans votre roman où Dora va se confier à l'écrivain en lui disant. Qu'elle l'a choisi parce qu'elle a lu ses livres, qu'elle peut avoir confiance, même si elle ne le connaît pas, elle le connaît parce qu'elle a lu ses livres. Et finalement, c'est aussi le ressort du bouquin de Reinhard, hein, où il recueille les confidences de quelqu'un qui a lu ses livres et qui sait qu'elle peut avoir confiance en un auteur, même s'il n'y a pas l'auteur derrière les lignes. Ouais. On sait qui se cache. Enfin, sauf que là, c'est l'auteur, parce qu'ils sont tous les deux dans la voiture. Et lui, il réalise qu'il est en train de la suivre, elle lui dit d'aller là, mais il ne sait pas bien. Il réalise qu'il ne la connaît pas du tout, cette femme. Alors qu'elle, ayant lu 3-4 de ses livres, il réalise que finalement, même si les livres ne parlent pas, mais elle le discerne un peu. Quand on lit le livre de quelqu'un, on apprend des choses sur lui quand même. Enfin, moi, j'aime bien lire aussi pour ça, découvrir aussi l'auteur derrière. Donc, il remarque qu'ils ne sont pas du tout à égalité, parce que. Elle l'ayant lu, donc d'une certaine façon, elle peut peut-être le manipuler. C'est à un moment, on peut se poser la question. Oui, parce que lire même, même un mail de quelqu'un, oui, une lettre de quelqu'un, on a d'un seul coup un panorama sur cette personne. Alors bon, un livre encore de la même façon. Je veux dire, voilà. Donc c'est plus ça que je voulais démontrer, c'est qu'il réalise que finalement, en écrivant, lui, il est un peu. Il s'expose finalement à des tas de gens, alors que lui est face à des gens qu'il ne connaît pas. Donc, du coup, dans ce contexte-là de fait divers un peu inquiétant, il se dit mince, je fous les pieds. Quoi.
Il reste un post-it rose. Oui, non, il y en a plein. Oui, alors celui-là, c'est avec mon deux cœurs. Alors attendez, pourquoi? Non, mais celui-là, on le lit ce soir à la BNU. Si vous êtes tous là, on le lira ce soir. Des post-it rouges, c'est ce qu'il faut modifier dans le livre. Non. Ça, c'est sur ce que c'est un écrivain, les réflexions qui sont vraiment nombreuses. Non, mais ça, c'est quand on voit le manuscrit. Quand... On envoie le manuscrit à son éditeur, une éditrice, et à un moment on se donne rendez-vous pour prendre un verre, et elle arrive avec le manuscrit, avec plein de... des forêts de post-it. Oh là là! Mais justement, on en a parlé lors d'autres rencontres au cours de ce festival, des moments de réécriture. Est-ce qu'il y a des moments de réécriture pour vous? À partir du moment où vous avez donné à lire votre manuscrit, est-ce que vous le reprenez, vous le retravaillez? Alors moi, je le travaille, je le retravaille pendant 2 ans de façon obsessionnelle. Donc. Avant de le donner. Avant de le donner, donc quand je le donne quelque chose, c'est que... Il est abouti. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis... Pourquoi tous ces post-it? C'est là, c'est... Syntaxe, répétition, voiture verte, golf verte. Passe madame la libraire une golf verte, 200 pages plus loin, elle arrive avec sa golf jaune. Parce que, alors bon, moi, ça m'est arrivé dans L'amour sans le faire. La jeune femme a une golf verte, voilà, justement. Et 200 pages plus loin, elle a un accident avec un sanglier. Et donc, la golf est rouge. Alors, l'éditeur n'a pas vu, la correctrice n'a pas vu, parce que après l'éditeur, il y a trois correcteurs. Bon, enfin, ça ne finit pas, quoi. Et donc, c'est un lecteur qui m'a envoyé un mail en disant pourquoi, enfin pas qu'un d'ailleurs. Et sur le coup, on se dit, oh, merde, on a laissé passer ça. En même temps, c'est pas... Et en fait, j'ai trouvé, alors, comme quoi parce qu'un des mails me disait ça, est-ce que c'est une symbolique de l'accident? Finalement, après, à partir de là, j'ai dit oui, c'est ça. Oui, c'est juste que... Il y a un moment, je la voyais verte, et puis... c'est comme les positions, vous savez, les témoignages à la police. Mais cette voiture était de quelle couleur? Verte, je veux dire. Non, elle jaune, en fait. Quand on est auteur, donc, quand on écrit son roman, il y a comme ça pas mal de personnages, finalement. Moi, plutôt que de prendre des notes en me disant « Monsieur Intel, il est comme ça », je le vois tellement fort que c'est comme si c'était, en fait, quand j'écris un roman, c'est comme si c'était des gens que je connais. Enfin, les personnages, ils existent, même quand j'écris pas. Là, en ce moment, j'ai commencé un roman, mais les personnages, je les ai toujours en tête, comme des gens de ma famille ou des voisins. Ouais. Donc, du coup, je prends pas de notes. Il est habillé toujours comme ça. Il y a des auteurs qui font ça. Évidemment. Moi, je préfère que ça reste. Si vous voulez, ses parents ou ses enfants, on prend pas des notes en disant il est habillé, il a les yeux bleus, il fait 1m61. Oui, non. Est-ce que dans ce cas-là, on se construit au fur et à mesure? Non, je parle de personnages qui m'intéressent et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Donc, là, à la fin, ça m'est vraiment. J'ai eu l'idée de la fin, vraiment, plus qu'à la fin. D'ailleurs, j'étais en retard à cause de ça. J'avais tellement de possibilités et en même temps, à chaque fois, la fin, c'était un peu trop évident. Et donc, je demandais aussi à mon éditeur quelle fin ça pourrait être. Et ils me disaient, mais c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose d'encore plus surprenant. Là, je le faisais exprès. Parce que je lui ai montré, tout était fini, sauf parce que c'est quand même un peu un thriller. Donc, à la fin, il y a qui a... C'est un côté Agatha Christie. Qui a tué qui, quoi. Et comme moi j'ai passé 2 ans à multiplier les pistes pour perdre mon lecteur, il y a un moment, la seule à laquelle
la seule issue à laquelle je n'ai pas pensé. Et donc, ça, il me fallait du temps. Bon. Et le fait de le montrer un peu, le manuscrit, comme ça, fait qu'il y a des retours qui viennent. Parce que moi, je ne montre jamais quand j'écris à personne. Donc, c'est vraiment à la toute fin. Sauf que là, il manque à la fin. Donc, c'est la première fois que j'ai un retour. Quoi. Et je lui dis, à ton avis, c'est que... Donc, je lui dis, je l'ai écrit, la femme, je ne veux pas te le montrer. C'est pas vrai. Et à ton avis, c'est quoi le... ben... Et elle m'a dit ça. Mais évidemment, c'est ça. Ou ça. Et donc, j'ai... Voilà, j'ai fait autre chose. Mais même au milieu du roman, je ne sais pas, moi je retrouve les personnages quand je me mets devant mon ordinateur. Et c'est un peu... Quand on a créé des personnages au bout de 150 pages, ils existent presque par eux-mêmes, hein, si vous voulez. Parce que ils sont presque réels pour moi. Donc ça s'organise comme ça. Après moi, je peux décider, tiens, j'ai envie de... ça sent un peu noir ou pas. Enfin, voilà, ça dépend aussi de ma situation personnelle. Mais je ne fais pas de plan. J'ai un copain que je vois souvent, Jean Tollet, qui écrit des romans un peu plus, ça, qui lui a besoin de faire un plan au crayon à papier pendant des mois, scène par scène. C'est un scénario. Un scénario. Enfin, il vient de la bande dessinée, donc c'est un peu pour ça. Je pense que ça vient de ça. Et sinon, il ne peut pas se lancer dans une histoire. Et donc, à partir de là, il a tout. Et il n'a plus qu'à remplir les... Ken Follett, c'est comme ça aussi. Ken Follett, enfin, il y a... Ça dépend, hein. Je crois que c'est chacun... Alors après, c'est sûrement très rassurant. Moi, je sais que j'ai laissé mes personnages il y a 5 jours, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, exactement? Qu'est-ce qui se passe? Donc mais cette incertitude-là, j'aime bien qu'elle soit là, même si c'est angoissant pour l'auteur. D'une certaine façon, peut-être que le lecteur, il se peut un peu... J'aime bien un peu surprendre le lecteur. Enfin, je veux dire... Vous dormez bien quand vous n'avez pas ce qui vous vient? Vous dormez bien quand vous n'avez pas ce qui vous vient? Alors, parfois, j'ai du mal à m'endormir, parce que c'est quand on s'endort que toutes les idées viennent. Ah non, à 1h du matin. Oui, j'ai trouvé maintenant une astuce. Heureusement, les progrès de la technologie, on peut prendre des notes sur un petit au pied du lit. Là. Mais bon, il n'empêche que c'est foutu, quoi. Parce qu'après, oui, il va aller là. Donc on se croit, oui, mais il faut qu'ils sont là, évidemment. Alors attends, tout le monde. Et quand c'est parti comme ça. Donc c'est pour ça, le soir, j'essaie de pas y penser, sinon... C'est mieux le matin, quoi. Mais parfois, ça s'impose, quoi. Voilà, quand j'écris un roman, les personnages, je vous disais, c'est comme des fréquentations, quoi. Donc, en chair et en os, ils sont là, quelque part, quoi. J'attends aussi qu'ils se... C'est à eux aussi de me dire ce qu'il faut, ce que j'ai à faire. Il y a un moment, c'est... Et au début, peut-être pas, parce qu'on lance un peu l'histoire et les personnages, on les connaît pas à soi. Mais il y a un moment, on les connaît tellement bien, de leur vie, même si on met pas tout dans le roman, on les connaît comme quelqu'un de proche, quoi. On sait qu'à telle époque, il a eu ça ou ça. Voilà. Donc ça, finalement, c'est une version courte. Non, mais vraiment, enfin, je dis ça parce que moi, à tout moment, comme je réécris plus de 50 fois, mais beaucoup plus de 50 fois, mes textes, la totalité. Donc, à chaque fois, souvent je réduis. Quoi, aussi. Heureusement qu'il y a l'ordinateur. Parce qu'avant, justement, j'arrivais pas à être publié, moi, peut-être aussi en partie à cause de ça, parce que Bill Gates n'avait pas encore inventé. Pourtant, l'art de la concision, vous le maîtrisez bien dans vos nouvelles. Hein. Il y a un excellent... recueil de Combien de fois je t'aime, hein, qui est ici, merci Dominique. Voilà, 17 courtes nouvelles, très succinctes, très percutantes. Vous disséquez les sentiments amoureux sans justement ce défaut de l'étalage, hein, pas du tout. Oui, parce que je passe du temps à réduire, c'est comme les fonds de sauce. C'est vrai, moi je réduis. Et vous plusieurs. Non, j'ai envie. On me propose de faire ci ou ça, une collection. Ça pourrait être intéressant de ça économiquement. Et moi, j'ai juste envie d'être
concentré dans mon, avec mes, dans mon histoire avec ces personnages. Et le reste, j'ai pas envie de m'en, j'ai pas envie. Parce que c'est vraiment quelque chose de. C'est comme si je ne faisais que retranscrire ce qui arrive à des gens tout proches. Quoi. Et j'ai pas envie que ça soit parasité par rien, même pas par. Parfois, on demande des nouvelles, une nouvelle pour le magazine à elle, ou le magazine Lee, ou le, je sais pas quoi. Enfin, bon. Là, il y a l'été qui arrive. Enfin, l'été, il est pas. Il y a des cahiers spéciaux dans les. Le L, le VSD, ouais. Je sais pas quoi. Ben bon, il commence à. Donc je fais. Il y a des commandes. Oui. Vous pourrez vous tomber dessus, c'est sûr. Ouais. Non, donc on me demande. Est-ce que, si, alors je réponds. Ouais, j'ai pas le temps de vous répondre, je suis dans le train. Enfin, ce qui ne veut rien dire, mais c'est bon. Histoire de gagner du temps et. Parce que ça peut être marrant à faire. Une nouvelle, c'est des nouvelles érotiques souvent à l'été. Donc, bon. Mais par contre, s'il me venait une idée comme ça. Pour cette nouvelle, je pourrais abandonner un peu le roman et en dit, faire cette, un truc très court, mais pas un autre roman ou pas. Là, le scénario, j'ai pas envie d'y travailler sur le scénario. Comme je suis lancé dans une autre histoire, donc j'ai dit au producteur, je veux pas écrire le scénario, donc faites autrement. Ah voilà, bah, je vous invite à découvrir tous les autres titres. Celui qui est sorti il y a 2 ans est magnifique, enfin sublime même, L'amour sans le fer, qui a un fond très très positif sur la réconciliation, enfin, il est très bouleversant. Et merci à vous Serge. Ben, merci à vous. Merci à vous.